Et bien salut à tous, c'est Dodo Info, j'espère que vous allez montrer ça va nickel. Et aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on va déballer ça. Donc c'est la suite de la première vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne YouTube, là où je déballais mes softbox et mon micro beer de UM1. Et donc là, voilà, je filme avec mon Canon, mon Rode et mes softbox. Donc j'espère que la qualité des virages ça vous plaira. En tout cas, c'est parti pour le déballage de la perche de chez Rode qui va aller avec mon beer de UM1. Alors voilà la perche Rode vide. Alors le Rode, c'est une perche à micro, donc on va mettre ça de côté. Donc en fait cette perche va aller avec mon beer du humeur. Je pense que ça y va, je sais pas si j'ai l'accessoire est fourni dedans, un petit adaptateur, je sais pas s'il faut l'adaptateur, donc je verrai, s'il me le faut je le commanderai. Mais c'est pas très cher, hein. C'est un petit truc très simple. Donc là on va l'ouvrir. Donc en fait à quoi ça va me servir le beer du M1 et le micro, enfin la perche micro? Ça va me servir tout simplement à me faire des tutos d'informatique. Je sais que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait sur ma chaîne YouTube des tutos, astuces, tout ça, comment débrider tout ça. Avant je me servais de mon Rode et de mon casque, et le Rode c'est pas fait trop pour avec le PC. Donc et le micro du casque c'est un peu trop aigu, donc voilà, pour retoucher c'est pas excellent. Donc là voilà, je me suis pris une perche à micro, et aussi ça va me servir pour les voix-off, des vidéos, quand je vais faire des plans et que je parlais en plan vidéo, et bien, comme ça je ferai des voix-off avec ce matos là. Ça c'est en fait c'est la petite base que vous allez mettre sur votre bureau. Donc ça, il y a deux fixations. Il y a la première fixation, donc c'est celle-ci. C'est la fixation de chez Rode, hein. Donc vous percez un trou dans votre bureau, et ensuite une fois que vous avez percé le trou, vous fixez ça, vous serrez bien, et comme ça après vous avez juste à poser votre micro dessus et c'est bon. Le petit adaptateur, je pensais qu'il n'était pas, mais en fait si, c'est bon, il y est. Donc, pour les gens qui n'ont pas envie de percer leur bureau, qu'ils ont peur voilà, de faire une bêtise, ou que voilà, par la suite ils vont le vendre ou le changer, ça c'est une deuxième fixation. Donc tout simplement celle-là, il va falloir serrer sur un coin de votre bureau, et ça va permettre de ne pas faire de trous et d'avoir une fixation peut-être un peu plus propre, ça dépend pour certaines personnes. Là on retrouve la perche à micro, et là voilà la perche. Donc ça on va l'enlever. Bon voilà, c'est vraiment un beau bijou, c'est de la qualité professionnelle. Faire très attention là, donc il y a marqué que quand on va ouvrir, et faire attention parce que ça se détend très vite, il faut du poids. Donc à bien serrer avec les mains, faites très attention parce que c'est violent. Ça dépend, ça va être violent. Donc voilà, on ouvre là, voilà, faire attention parce que si vous ouvrez comme ça, vous pouvez le prendre en pleine figure. Donc ça, après, on viendra le fixer sur le bureau, comme ça, avec la base qu'on veut. Donc je sais pas comment ça marche, j'ai jamais utilisé un micro comme ça. Donc là, on a des petits scratchs pour. Ça permet en fait de fixer les câbles pour que ce soit plus propre, pour les ranger. Et donc là, en fait, voilà, ça se rétracte avec le poids du micro, ça ne va plus bouger normalement. Moi j'ai acheté ça, enfin, j'ai acheté le pack complet pour que ça aille ensemble. Donc on va fixer le micro, le beer du M1 sur la perche. Donc comment on procède, donc, on pose la perche ici. Ensuite on prend le micro beer du M1, on insère le petit pas de vis dans le trou, on le visse, hop, et ensuite on vient visser ici. Donc c'est fait pour. Donc voilà, c'est bon, ça passe, il n'y a pas de problème. Donc moi ce que je vous conseille. Ouais, ça va être un peu embêtant ça, ce système. Ouais, bon, il faut faire tourner le micro, donc on va débrancher. Et ensuite, on va faire tourner le micro. Hein. Après, il n'y a pas de choix. Hop, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Et voilà. Donc, après, voilà, vous pouvez faire des réglages au cas où si c'est pas bon. Vous pouvez dévisser là, mais voilà, moi je fais vite fait en vidéo là. Enfin, ensuite, il faut que je mette l'anti-pop. Donc, pour l'anti-pop, voilà, pour que ce soit bien droit, hop, on vient resserrer ici pour pas que ça tourne, voilà. Enfin là ça tourne, mais il faut bien serrer. Et là, voilà, l'anti-pop viendra, on le mettra ici. Voilà, c'est fait pour, ça va ici. Donc je sais pas s'il faut que je le colle trop, parce que je sais pas s'il va y avoir un petit peu de marge. On va le voir. De toute façon, il faudra quelques petits réglages avant. Là, on pose l'anti-pop devant le micro, et voilà. Et en fait, l'anti-pop, ça va permettre de pas ressentir les cheux, les peux, tous ces petits sons assez désagréables que vous entendez sur vos écouteurs, sur vos haut-parleurs. Ça fait tout cracher, donc voilà. Ça permet de couper ces soufflements. Voilà, très important de prendre avec ça avec le beer du M1, parce que le beer du M1, il isole quand même les cheux et tout ça, mais pas beaucoup. Il isole vraiment si on est vraiment éloigné du micro, sinon si on est prêt, il isole rien du tout. Donc voilà, commandez ça, ça coûte pas très cher. Tous les liens seront en description de cette vidéo, donc pour tout, voilà, et dans mon setup aussi qui sortira prochainement sur la chaîne YouTube. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, liker, d'aller voir mes réseaux sociaux aussi dans la description de la vidéo, d'aller voir aussi mon site internet et de me contacter si vous avez un problème sur la chaîne YouTube. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, salut pour une prochaine vidéo.